date qui était 13 avril 2020, c'était un jour triste pour tout Haïtien. Parce que nous t'es réveillé, nous tous, avec une mauvaise nouvelle. C'était Chapelle Royale de Milo qui était brandifié. Nous tous déjà connaissons, Chapelle Royale de Milo, c'est un patrimoine qui a pile valeur pour tout Haïtien. Bien vite, il y a un plan d'urgence qui était décrété. Et professionnel dans le domaine, nan, te rappelé nous de présence de matériaux toxiques. Blanc américain t'a utilisé les qui ont refait toiture Chapelle Miloa sous Stenio Vincent. C'est là nous te comprendre que matériau ça t'a causé un pile dommage à tout le monde qui t'a aventuré dans site là après du feu. Donc t'a nécessité pour nous te non seulement penser à une possibilité pour empêcher monde entrer dans site là, mais tout nous te comprendre que des amiantages site là t'est vraiment important. Yon l'autre phase qui était vraiment important après ça, c'était bien sûr déterminer cause du feu. Ça veut dire si nous pas jamais arriver comprendre pour qui ça du feu ça t'est éclaté, nous pas jamais connaître qui gens pour nous protéger l'autre site qui est important pour nous. C'est ça que fait déterminer cause du feu ça, c'était un point essentiel. Remarque que nous fait il y a un pile caille qui tout près Chapelle Miloa par exemple, mais est-ce que ça va représenter un danger pour un site qui est aussi important? Est-ce que tout nous pas ta deux porter plus contrôle sur tout le monde qui a visité site touristique si là, que le té haïtien, que le té étranger? L'autre question que nous tous haïtiens t'a de poser pour une localité qui est aussi important que Milo, qui gagne justement tout patrimoine ça yo, est-ce que n'est pas nécessaire pour Milo ta va gen propre service pompier li? M'a rappelé nous que distance pour pompier ta va sorti au cap pour aller porter secours jou tris si la tout bagay te gen prend du feu. Après toute phase si la yo, bien sûr ta doit gen un plan d'intervention. Mais pour gen un plan d'intervention justement, faut que tout haïtien comprenne d'abord importance Chapelle Royale Milo. Et moi-même en tant que architecte haïtien, c'est justement ça qui inspire dans grand jour ça qui c'est 18 mai, un jour qui va rassembler nous tous haïtiens puisque c'est fête drapeau, pour mon travail projet si là et présenter nous li pour nous rappeler nous que nous gagnons un membre dans corps nous qui tombé et que nous doit songer pour lui pas rester coupé. C'est justement Chapelle Royale Milo. Nous tout net doit prendre un petit temps pour nous réfléchir à valeur historique que Chapelle ça gagne. C'est un symbole universel qui est à la fois populaire, historique, religieux. Bien entendu, après un drame comme ça, il y a quatre possibilités. C'est soit nous faire une rénovation, soit nous faire une réhabilitation, soit nous faire une restauration, ou bien nous décider tout bonnement garder tout ruiné. Même j'en nous fait pour parler sans souci. Eh bien, nous pourrons le débattre quatre points ça yo pour nous voir qui est ce qui est plus convenable pour nous-mêmes dans situation Palais Royal Miloa. Donc question nous de poser, est-ce qu'on a rénové, est-ce qu'on a réhabilité, est-ce qu'on a restauré ou bien est-ce qu'on a juste quitté Winio comme ça? Rénovation, ça veut dire créer un bagage qui partiellement ou bien complètement nouveau. Ça implique démolition et reconstruction. Ça veut dire nous ca choisi démolir tout et reste Chapelle Miloa et puis créer de nouveaux plans d'architecture pour nous faire une chapelle et qui totalement différent de celle avant. Mais là n'a considéré valeur historique que Chapelle Miloa gain pour chaque haïtien, penser que point ça c'est beaucoup ça. Réhabilitation c'est justement là n'a reconstruit bâtiment mais ça ne pas craser en quelle partie. Ça veut dire nous conserver tout ça qu'il a dans. Nous avons dit que nous juste à essayer rassurer nous que structure là a bien fonctionné pour nous protéger vie tout le monde qui prend dans espace là. Restauration c'est là n'a reconstruit li, mais pendant que n'a respecté toute originalité bâtiment. Ça veut dire tout petit détail net de respecter Jean Cultier. Dernière option c'est quitter chapelle là en win. Moi voulais rappeler nous que bien souvent yon win ka gen même plus importance que un édifice flambant neuf. Pour qui ça? Parce que win fait partie de la vie yon édifice. Win nan justement
li rappele nou la vie édifice là. Lè sa, nou ka sonje ke tel date, tel édifice te prend du feu. Pou nou cite un simple exemple, juste imagine nou ke demain matin, grec yo ta va réveiller et décider reconstruire le Parthénon en Grèce. M pense que nou tout apwè que c'est une mauvaise idée puisque nou toujou konnen win sa yo et qui vraiment célèbre. Justement, dans tout point que nous sommes développés, moi pense que ça qui intéresse nous, c'est faire une restauration. Mais pendant que nous avons rassuré nous que toute structure bien jam pour ne pas représenter aucun danger puis devant pour aucun haïtien. Nous avons restauré la chapelle royale de Milo pour nous gagner li jan mémoire nous dit nous que le déye. Parc national historique Citadelle Sanssouci Ramier. C'est un patrimoine mondial que l'ISPAN et l'UNESCO reconnaissent depuis 1982. Chapelle royale là fait partie du parc là. Et même Jacques, chaque édification qui conforme ce site là, les populaires, historiques et religieux. J'ai que nous t'ai mentionné ça déjà. Moi ouais chapelle Milo, tant qu'on belle femme avec belle coubli qui campait dans l'entrée parc là et qui introduit nous à parc historique là. Et rappelez-nous que nous pral ouais palais sans souci à Citadelle puis devant. C'est un site qui est important en pile et que chaque haïtien a de comprendre valeur li et faire fierté toute nation. Pour ça, li de toujours camper bien jam, jan que nous toute génération sa yo te konnen li. En 1842, chapelle là t'est presque fin détruit net. Le tremblement de terre t'est presque fin détruit ville au Cap. C'est sous Stenio Vincent de 1930 à 1933 que nous reconstruit li ak aide américaine. Et puis depuis là ça dans toute édification ça yo chapelle Milo te continue rempli wall li on nous dit utilité li te rappelé à rempli depuis création li ça qui fait li tourner référence zone pas grand monde qui pas connaît chapelle royale de Milo et parmi tout symbole qui caché en dans chapelle là yon qui attire attention en pile c'est le phénix qui c'est symbole personnel roi Henri Christophe tout. Et moi pense que symbole ça qui toujours présent en dans chapelle royale de Milo veut rappeler nous que même quand il t'a arrivé prendre du feu, il doit renaître de ses cendres. Pas oublier, pour que une œuvre considérée un patrimoine, faut qu'il ait une valeur exceptionnelle. Et chapelle royale Milo, c'est une œuvre qui pour toute l'humanité. Ça veut dire il pas seulement pour haïtiens. Mais puisque c'est la caille nous lier et que lui fait fierté nous avant tout l'autre monde, c'est nous-mêmes qui devons mettre ensemble et rappeler tout le monde l'importance li pour nous pas jamais quitter le coucher à terre. Chapelle royale de Milo doit retourner camper bien jam pour faire valer tout haïtien. Fouchard veut souhaiter nous une bonne fête drapeau. Il m'a remercié nous en pile pour tout support que nous ban nous depuis là nous lancer par ça jusqu'à aujourd'hui et n'a toujours été ensemble. Merci.